Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui sur Minecraft pour une carte qui m'a l'air tout simplement incroyable. Alors je me suis pas spoil cette carte là parce que j'avais envie du coup de la découvrir en même temps que vous. Aujourd'hui les amis, nous allons faire ensemble une partie de bowling. Regardez-moi à quel point tout ce qu'on a face à nous a été super bien modélisé. Je suis très curieux de découvrir tout ça, donc là je suis au niveau de l'entrée du bowling, hein. Je pense que vous aurez reconnu un petit peu avec ce vendeur. Alors attendez, comment ça fonctionne? Ding, bonjour. Oh, un nouvel arrivant. Il y a une petite chaussure de bowling derrière. Bonjour, comment allez-vous? Bah ça va très bien, et vous monsieur? Est-ce que vous voulez hit some pins? Je sais pas, les pins c'est peut-être des keys en anglais, je ne sais pas. Oh, mais bien sûr que vous voulez. Bah oui, oui je veux. Alors, voilà le ticket, il coûte 14$. C'est un petit peu cher, mais bon, on va tenter. Vous serez donc sur la piste numéro 5. Ça marche, on retient. Trois petits points. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est truquée, la piste numéro 5, c'est ça? Vous n'avez pas d'argent? Ah mince. Oui, bah en fait, je suis youtubeur, mais bon, je monétise pas mes vidéos, j'ai pas d'argent. Ok, Zen. Donc, qu'est-ce que tu vas me proposer? Je vais juste me retourner. Ah, c'est bon, on peut passer. allez-y, je ne regarde pas. Ok, d'accord. Ah, il est très gentil ce mec, hein. Ah, je pense que c'est le côté je suis youtubeur, hein, ça ouvre toutes les portes, vous savez. Je n'aime pas. Je n'aime pas mon boulot de toute façon. Ok, tu me donnes pas de chaussures de chaussures de bowling? D'accord, c'est super bien le petit portique là, le petit portillon qui tournait. Bon, alors nous arrivons ici. Alors je vous mettrai une petite musique, je pensais qu'il y en aurait une, mais je vous mettrai une petite musique d'ambiance style bowling. On dirait plus un saloon qu'un bowling là, on pourrait s'asseoir pour prendre une petite boisson. Une margarita s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de vendeur. Ils aiment tellement pas leur job ici qu'ils ne viennent même pas bosser. Putain, c'est génial les chaises. Trop bien fait avec le menu d'ici. Bon, ils font sûrement des petits burgers, des tapas, ce genre de choses comme dans la plupart des bowling. Alors je passe souvent au bowling. Globalement, je m'en sors bien, mais je m'en sors mieux notamment sur Wii Sport. J'étais super bon au bowling sur Wii Sport, donc je sais pas si ça va être le cas ici aussi ou pas. Donc nous avons les boules de bowling, et on va arriver du coup aux pistes. Alors attendez, piste 3, piste 4, ah, c'est celle-là ma piste. Piste 5, regardez, attendez, on va pas y aller tout de suite, faut cliquer. Ah si, ça commence. Bon bah ok, ça commence. Frigiel est le joueur numéro 1. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, cette carte-là, ça peut se faire à plusieurs. Oh! Purée. Ah, alors là, mais je suis impressionné. Frigiel, c'est à vous de jouer. Ah, trop bien. Je sais pas si je pourrais faire une... Oh là, attendez, il y a une explication. Alors, comment ça fonctionne? Courez vers le sol. Appuyez sur Shift pour vous accroupir. Et tapez la balle jusqu'au pins, jusqu'au key. Alors, courir, s'accroupir et... oui, c'est ça. Et taper la balle. Donc, attendez, hop. Ça a l'air compliqué, ça a l'air compliqué. On va y arriver, on va y arriver. Oh les amis, c'était presque un strike. Oh mon dieu. Oh mon dieu, alors là, ça c'était plutôt balèze. Par contre il m'en reste deux, et là c'est toujours le moment le plus compliqué de bowling. C'est quand il vous reste deux quilles comme ça. La technique consiste, alors attention, hein, on va parler technique secrète de bowling, hein. N'hésitez pas à donner vos techniques secrètes de bowling dans les commentaires. La technique consiste normalement à taper... Ah oui, ça glisse un peu la piste. C'est de la glace en fait. À taper la quille de gauche ou de droite et à l'envoyer valser, paf, sur la quille de l'autre côté. Parce que forcément, avec une boule, bah, vous n'allez pas pouvoir taper les deux quilles. Donc c'est ce qu'on va tenter de faire. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Oh non. Ok, c'est bon, ils m'ont pas compté. Pfiou. Non, je me suis accroupi beaucoup trop tôt en fait. Ha. Ouais, non. Ça a pas marché. J'ai visé trop à droite de la quille. Je l'ai fait tomber, mais du coup, j'ai pas fait un... alors, ça s'appelle pas un strike qu'on fait en deux essais. Je sais plus comment ça s'appelle. Spare, je crois que ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Gold Rush Download. No. Ah, c'est une pub pour une autre de ces cartes, je pense. Ah, mais regardez, on a une super pizza, là, pour se ressourcer pendant la partie. Génial. Par contre, c'est la piste d'à côté. Je sais pas si c'est peut-être pas ma pizza. Donc, j'ai 9 points. On va retenter ça. On va tenter un strike, cette fois-ci. Alors, attention. Hein. Ok, je me suis pas accroupi assez longtemps. Hein. Bah alors, ça marche, ça marche pas. First shot. Ok, normalement il faut juste courir à s'accroupir. Hein. C'est bon. Oh, y a pas beaucoup de force dans mon tir. Malheureusement là, il me reste 3 quilles encore à faire tomber. J'adore l'animation de la boule, c'est trop bien fait. Ils font des trucs géniaux maintenant avec les packs de textures
En 3D, c'est quand même incroyable. Allez, pleine puissance! Allez, mais c'est quoi là? J'ai quoi? Mais il faut que je fasse du sport, c'est pas possible! On dirait que je lance un marshmallow quoi. Les qui limite. C'est limite si elles se prennent la boule et qu'elles tombent pas. Bon, ça me fait 18 points déjà. C'est pas mauvais, mais. Faudrait quand même que j'arrive à faire un strike un jour ou l'autre. Allez, allez! Oh! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Alors, ça va pas être un strike, mais il reste plus qu'une quille. Donc là, il y a moyen de faire un truc super intéressant. Toc. Alors, attention. Attention. Là je ressens mon expérience Wii Sport finalement ressurgir. Je m'en sors plutôt pas mal. C'est parti. Ouh, j'ai failli rater la balle. Mais c'est bon! Alors, il va se passer quoi? Un petit bruit? Wii Spear! Oh mon dieu, les confettis. C'est beau. Ça s'appelle donc bel et bien un spare. Alors je crois que quand vous faites un spare, est-ce que les keys d'après valent double ou je sais plus, il y a une histoire comme ça. Les points sont... Enfin, il y a un truc, c'est intéressant de faire des spares et c'est encore plus intéressant de faire des strikes. Oh mais non! Sérieusement quoi. Mais je peux refaire un spare là si je gère bien. Il y a écrit un truc sur la machine. C'est génial, attendez, je vous ferai un zoom tout à l'heure au prochain essai parce que c'est quand même génial ce qui se passe là-bas quand... Quand on fait tomber les keys. Ah, à chaque fois je m'accroupis pas assez longtemps. Non, je sais pas pourquoi des fois ça marche et des fois ça marche pas. Allez, c'est bon. Oh joli, ça c'était un beau tir. Oui, magnifique. Alors regardez. Quand vous faites tomber les keys. Ouh, il y a un truc, c'est MC Sport. Puis ils ont même fait l'animation de cette espèce de machin qui repose l'équipe, le mécanisme. C'est trop bien fait, c'est génial. C'est juste génial. Donc j'en suis à combien? J'en suis à 46. Je crois que... Alors c'est combien le maximum déjà au bowling? Je crois que c'est 120 ou 140, un truc dans le genre. Oh, je sais pas, doit y avoir une technique pour faire un strike. Je vais essayer de viser un peu plus en diagonale. À mon avis, ça peut être une bonne technique. Là j'enchaîne, là, par contre. Là. Ouf. Yes, magnifique. Si vous mettez trop de temps à taper la boule, je pense que vous avez 0 points à mon avis. J'ai pas tenté de faire tomber la boule dans les... comment ça s'appelle déjà? Les tranchées. Je sais que d'ailleurs, quand je joue en bowling, au bowling en vrai, je sais que... Bon, j'étais assez jeune, mais ils avaient activé notamment les barrières là sur le bord des tranchées. C'est le genre de truc qui fait comme ça, quand votre boule elle va pas droit, bah, elle rebondit sur les barrières et elle touche des quilles à 100%. Là, il y a pas besoin, franchement, c'est pas très compliqué. Mais c'est vrai que... Pour les plus jeunes, moi je sais que j'avais déjà eu des petites barrières, c'était pas très bon. Ok, là, voilà, là typiquement, genre, en parlant de pas être très bon, j'ai laissé beaucoup de quilles. Donc tirer en diagonale, c'est pas la meilleure des solutions non plus. On va tenter de tirer tout droit pour faire un strike. Ah, il m'en reste une pauvre quille là. Je vais retenter du coup de tirer droit. Et ensuite j'irai explorer un petit peu le reste du bowling. Et ensuite, on terminera notre partie. Allez, on y croit. Pleine puissance. Oh mon dieu, ça a pas du tout marché. Oui! Mais non! Mais quoi? Mais regardez quoi! J'ai touché 4 quilles et ma balle, elle est partie sur le côté, quoi. Mais c'est pas possible. Ah, c'est quoi la technique secrète ici? Ah, c'est ça. Ça, j'ai touché une pauvre quille. Donc, j'ai compris la technique secrète. Plus vous arrivez... à caler votre balle loin, plus ça l'aura de force. Ok, regardez. Allez. Ah, c'est un peu raté. Ah, allez. J'essaie de la mettre le plus loin possible. Oh! Oh non! J'y étais presque! Oh, mais non! Mais je veux faire un strike avant la fin de cette vidéo. Ce n'est pas possible, cette histoire. Ah. Oh non, mais allez, mais je suis trop mauvais, quoi. Je suis sûr... Téléchargez la carte de votre côté, je suis sûr que vous arriverez à battre mon score. Parce que là je suis vraiment mauvais. Hein. C'est pas possible, quoi. Après, c'est pas si simple que ça en a l'air. Très honnêtement. Un poil plus complexe que ce qu'on dirait. Ok, encore un peu raté. Allez. Tu vas te poser la balle. Oh, là c'était... Oh, c'était vraiment pas mal, d'accord. Alors je vous explique pourquoi j'arrive pas en fait de temps en temps à poser la balle. C'est qu'en fait je relâche la touche de sprint. Et si vous relâchez la touche de sprint avant de vous accroupir, ils vous prennent pas en compte le fait que vous êtes accroupi. Voilà, c'est exactement ça. Ok, je commence à maîtriser. Mais toujours pas de strike à l'horizon. J'adore ce petit bruit de trompette. C'est joli quand même hein, le décor ici. C'est vachement joli.
Donc il nous reste combien de tirs? Normalement il y a un truc qui vous dit combien de tirs il vous reste. Je crois qu'il faut tirer une dizaine de fois au bowling. Oh sérieux quoi. Ça veut pas hein. Genre, non, je suis en train de me dire que ce serait assez délirant qu'il y ait vraiment un bowling où vous tapez votre balle avec une, je sais pas, une batte de baseball ou je ne sais quoi, comme c'est un petit peu le cas ici. Ce serait très particulier, c'est le mélange de... C'est un peu... C'est du golf en mode bowling, en fait. C'est pas vraiment du bowling, là, ce qu'on est en train de faire. J'ai une chance de plus, là, ou j'ai fini? Ah, j'ai fini! J'ai gagné! Oh! Oh! Alors, je veux remercier toute ma famille, mes amis qui m'ont toujours soutenu, et mon prof de sport au collège, voilà, qui me mettait toujours zéro, mais c'est grâce à lui que j'ai pu gagner aujourd'hui. Bon, ah putain, ça disparaît pas les confettis. Bah, toute ma vie, je serai béni par cette partie de bowling. J'ai fait 105 en score. C'est pas mauvais, mais j'ai pas réussi un seul strike. Je suis un petit peu déçu. Donc, je voulais aller voir un petit peu le reste du bowling. Alors, en fait, on peut pas aller dans les toilettes. Ok, d'accord. Ah, globalement, je m'en suis plutôt bien sorti. Ça mérite une petite bouteille de champagne. Bon, il y a que du vin pour fêter notre succès. Ils ont l'air bons ces petits cocktails, n'empêche. Et si je veux relancer une partie, est-ce que ça marche ou pas? J'aimerais bien tenter un strike quand même, mais bon, je pense que non, c'est fini. Je peux pas recommencer. Oh, bon, bah tant pis. Je vais aller voir le mec du bowling. Il va peut-être m'offrir une récompense pour mon score. Allons voir ça. Mec, j'ai fait 105! Est-ce que tu m'offres quelque chose? Non. Il a pas l'air très... très motivé de m'offrir quoi que ce soit. Bon, et bah écoutez, voilà, cette partie de bowling est terminée. Alors du coup, peut-être que je referai ça en versus avec un autre youtubeur, ça pourrait être drôle. Je vais voir ça. En tout cas, c'était assez drôle, n'hésitez pas du coup à tester la carte de votre côté. Si je refais du coup un versus sur cette carte-là, faudra absolument que j'arrive à faire un strike. Ce sera mon objectif, hein, si jamais il y a une seconde vidéo. On se retrouve du coup bientôt pour d'autres vidéos Minecraft. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde.